Pour Edar. Bon, c'est bien, j'ai réglé les soucis parce que j'avais encore une fois des problèmes. Le truc qui voulait plus se connecter à mon compte Twitch depuis OBS. Comme j'ai changé de numéro, du coup, pour revalider la connexion, c'était l'enfer. Du coup, je n'ai pas encore mis draft. Hop, les feuilles de bord. Allez voir ça. Vos compagnons, un pli. Charge. Open avec Dark qui sera donc notre joueur. Et la Io Titus. Je me courais de pseudo. Hop. J'ai été vérifié. Mignon. Aller chercher pour compagnie pour le petit overlay. Vraiment les stats 1v1 qui s'affichent plus pour les trois quarts des joueurs, là, quel enfer. Ça flingue tellement tout mon overlay. Tellement blasé. Ah bien, bah écoute, ça va, et toi? Pas forcément trop bien dormi, mais bon. On va essayer d'être au taquet pour le cast. D'ailleurs, faudrait réussir à trouver un caster pour ton match de ce soir, dis-tu. Que moi je trouve quelqu'un pour Snake et que je prenne le tien, peu importe dans quel ordre ça se fait, mais que tout soit casté, ce serait pas mal. Ah, c'est demain. Pourquoi c'est... Attends. Oh là, je suis à l'ouest ou pas? Produit. Tac. Ah oui, c'est demain. Ben c'est pas, oui, demain c'est Snake, pardon. Autant pour moi, c'est vrai que ce soir j'ai dit, oh là, je suis vraiment à l'ouest. Ça part mal, attention. Tu m'as vu quoi à 3h? Aïe aïe aïe! Oui, mais t'imagines pas le temps que j'ai mis après ça pour dormir. Ça a été particulièrement compliqué.
Ouais, demain il y a plein de matchs, mais enfin, ce soir aussi, il y a le match l'heure du thé Florianito, qui a c'était chez Poupou. Et on a dans la team, on a Moms qui joue contre Elolo. Et il n'y a personne qui le caste. Yo mignon. Et re l'heure du thé. Du coup, si quelqu'un stream et est dispo ce soir pour le match de Moms, let's go, hein. Faut aller réserver ça. Hein. C'est quelle heure? Alors attends, tac tac tac. C'est 21h pour Moms. Et demain, dans l'équipe, donc il y a le match de Snake contre Symphony, que je caste. Il y a le match de Chiablo contre Yala, qui n'est pas pris. Et il y a ton match, du coup, contre Unkno Player, qui n'est pas pris non plus. Donc il y a pas mal de choses. Et juste avant, il y a le match Kostikos-Draza aussi, qui peut être intéressant. Ce sont des gens qu'on voit beaucoup dans la commu. Il n'est pas pris. Voilà. Donc beaucoup de matchs et pas grand-chose de streamé. Si je vais pouvoir regarder mon équipe jouer demain, ton équipe à la FNL ou ton équipe je ne sais où ou d'autres. On va partir tout de suite sur l'onglet des. Quoique j'ai pas de musique de fond sur l'onglet des drafts. Ah ça c'est un truc à améliorer. Hein. On va faire un vieux copier-coller dégueulasse. Alors début musique. Pas ma musique normalement. Et on migre. FNL pas là pour jouer. Titus Caster officiel qui est chaud. Chaud bouillant. Et c'est à quelle heure le match? Parce que Titus, s'il est chaud bouillant mais qu'il joue son propre match du CF, ça va être compliqué. La petite CF. Les deux joueurs se sont rejoints en vocal. Alors, si c'est avant 20h30, si ça finit avant 20h30. De la TG, ça peut durer aussi pas mal plus longtemps un tournoi. Let's go! Ouais, let's go, let's go. Ça dépend de... Comment c'est les drafts? Bah oui, bah forcément. Forcément, forcément. Et est-ce que la deuxième, il a rejoint aussi l'autre joueur? Non, donc je peux afficher que les maps pour l'instant. Draft. Erreur, Rafi. Hop, voilà.
Voilà. Donc, on a du ban de Kawasan, de Frozen River, de Canberra et de Arena. Il y a des bans qui vont potentiellement un peu blaser Red Arc, notamment Canberra. Et on aura du Peak Frigid Lake, Team Island, Coast to Mountain, Sacred Spring et Sand Forest, j'espère pour Red Arc. Il n'avait pas prévu sur un Force Snipe en prenant Team Island parce que. Il n'y a pas de snipe pour le BO5. Après, il joue bien l'eau. Le souci, c'est quand il se fait land. J'espère pour lui aussi qu'il a travaillé là-dessus. Je pense qu'à force, ça va rentrer sur comment il faut réagir. Et donc, côté mignon, on aura Coast to Mountain, Sacred Spring. Alors, on va aller voir et revoir vite fait. Ah, les deux sont sur la draft. Festive. Hop, je vais vous l'afficher pendant que je vais sur le profil. Alors, le bon mignon. Alors, qui gagne la game 1? Red Arc ou Mignon? On va mettre 10 petites minutes, commencer l'après-dit. Alors, on aura déjà commencé par Ban, Sarrasin et Berber. Ok. Enfin, sur le profil du bon mignon, il y a de l'éthiopien, du vietnamien, du breton, un petit peu de franc et du sarrasin. Donc, gros joueur archer. Éthiopien plus de 350 fois, sa deuxième cive, vietnamien à peine 250 fois. Donc, on est vraiment sur de l'OTP cive archer. Et ça se ressent tout de suite dans la draft hein, avec un first pick éthiopien, on prend Perse, ça a des bons archers trash en late game. Italien, Hindoustani, Tatar. Est-ce qu'on va pouvoir jouer tout ça? Italien Team Land. Fanny certainement Sand Forest. Bon pour Frigid Lake. Côté mignon, on a un Malien, un Mongol. Mongol, ça pourrait être joué sur Coast Mountain. Malien sur Team Island. Les Byzantins, des très bonnes cives. Ça pourrait être dans mes drafts. Parce qu'un peu tout pourrait être dans mes drafts là, à part Tatar. King, ça peut être litigieux si c'est pour Team Island. Attention de ne pas se throw là-dessus.
Ce ton, j'aime bien. Ce ton, on va pouvoir jouer sur Sacred, sur Sand Forest, sur Coast. On pourra contrer les Sif Chameaux plutôt facilement. Même si on se retrouvait face à Japonais. Très intéressant. Alors, du coup, la première map, ça va être Sand Forest. Sand Forest, avec ce qu'on a comme sieve. On va attendre les snipes quand même, snipe d'italien. De Mongol qui est plutôt cohérent. Je serais peut-être plutôt parti sur un Byzantin pour le coup. Mongol finalement remis sur Coastal Mountain, ce qui permet d'être sûr de ce que va jouer l'adversaire. J'ai peur mais sans plus. De forest, qu'est-ce qu'on pourrait jouer là-dessus? Un Doustani ou Teuton du côté Red Arc et du côté de Mignon, il faut de préférence une Sif Cav, mais à tous les coups, il va jouer Archer donc il va certainement prendre Éthiopien. Perse, ça va être pour Coastal Mountain, Byzantin pour Team Island. Ah, japonais peut-être pour Coastal Mountain plutôt. Ok. Donc un malien pour Frigid Lake. Il nous resterait de l'éthiopien, du perse et du britannique. Ah, peut-être du perse pour Sacred et de l'éthiopien du coup pour Sand Forest. Ça m'a semblé le plus. Le plus cohérent. Alors, est-ce que j'ai le premier ID? Oui. Depuis moins d'une minute. Donc, ça va bientôt commencer. Ils ont peut-être déjà lancé, mais il y a les 3 minutes de délai à attendre. Yo, moms! Comment on va? Pas trop tendu pour ton match? Pour l'instant, ils sont dans le salon encore. Pas rendu du tout. Bon, on sait que tu n'y es pas encore. J'ai limite la flemme de le faire. Aïe 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 aïe. Après c'est vrai que c'est plus du bonus, hein. C'est vraiment juste un match comme ça pour le fun. Faut essayer de l'appréhender comme ça en tout cas. Parce qu'au final, t'as déjà réussi tes phases de poule. Pour les joueurs qui sont en descente, c'est plus une tentative de réussir justement son tournoi, mais. En tant que personne qui a gagné, j'ai eu la partie pendant une demi-seconde, elle a disparu, je ne peux plus la trouver. J'adore ce jeu.
Eh bien, ça se précipite pas sur les votes aujourd'hui. Et non, pas de commande Camelot. Allez, ça va partir. On aura, comme prédit, le ton éthiopien. Voilà, je commence à devenir parfois fort à ce petit jeu. On va attendre la fin du décompte, il reste 50 secondes avant qu'on puisse regarder ça. Bah, ça peut être fastidieux, sauf si tu gagnes en 3 parties rapides, hein. Après, tu peux gagner 3-0 et que ce soit plus fastidieux qu'un 5-0, si, enfin qu'un 3-2. Si ton 3-2 il se termine que sur des games ultra rapides, ça peut être beaucoup plus rapide que qu'un 3-0 où tu as eu ne serait-ce qu'une seule game qui a duré 2 heures. Et c'est vrai que Elolo a réussi à gagner des games avec la manière, malgré qu'il se soit trop sur toutes les autres. Attention, Optimum. Et beaucoup plus de régularité pour Moms, donc ça devrait passer, je pense. Du jeu. Que j'ai oublié de mettre, c'est la synthèse vocale. Comme ça, si je vois pas les messages, au moins je les entends tout de suite. Pour le coup, Pika, moi j'y crois pas trop, mais t'inquiète pas, je comprends que tu n'y crois pas. J'étais totalement dans le même état d'esprit sur mon premier match de barrage au précédent CF. Que du coup, j'ai pas eu à faire vu qu'il a forfait. Et je le suis aussi là. Et pourtant, on m'a dit que j'avais plus que mes chances. Et voilà. Donc je comprends l'état d'esprit. Red Arc de pas trop s'endormir. Faut quand même mettre les élos vite fait. On mange pas de pain. On a 1020 actuels et pas d'élos. Ah oui, c'est vrai que son overlay est bugué. Ah mince. Bon, on va pas mettre les élos du coup. Aïe aïe. Alors oui, on voit encore des camps de bûcherons aussi dégueulasses, 1400 d'élo, hein, bien sûr. À un moment donné, tu prends 3 demi-secondes de plus et tu viens pour avoir un joli temps. Ah, rien que pour ça, Red Arc mérite de gagner. Au premier camp de mineur dégueulasse, je change mon avis. Trop boire, on est bien sur un build d'archer, build de scout côté du teuton. Faut pas rester, mais bonne chance Red Arc, c'est un titre que tu viens soutenir. Toi qui nous castes, non, je suis pas là ce soir, comme j'avais déjà annoncé depuis un bon moment, je suis pas là jusqu'à au mieux vendredi. Donc vendredi, normalement je peux, donc j'ai pris un cast. Mais c'était pas sûr avant il y a 2-3 jours. Et ce soir je suis pas là, donc non. Pour l'instant tu n'as pas de caster, Moms.
pas faute d'avoir averti tout le monde. Je pense que Airfy avait l'air d'avoir des dispos, mais c'est pas gagné encore. Plus aussi. À voir. À voir, à voir. C'est au classique, hein, donc. Dans la macro, là, on en a trois d'un côté, un seul de l'autre. Aussi un contact chez Bein Plus et chez Canal Plus et Bein Sport. Aïe 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 aïe. Vu comme ils parlent mal du jeu vidéo en général, on va éviter. Hein. Essaye de pas trop les contacter, on trouvera quelqu'un de plus expert sur le sujet. Hein. Et on rabat du petit cerf au prix d'un gros idol TC malheureusement pour Red Arc. On a déjà donné un péon à l'adversaire. Rien qu'en idol du forum. Et ça continue. Hop, on lance un petit péon. On est maisonnette. Ah ça fait mal là pour Red Arc. Ouais, on aura fait loom. Mignon qui a déjà cliqué l'âge avec 8 secondes idle TC, c'est très très propre. Bon, alors que ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Déjà une 15 d'idle TC, on trouve seulement maintenant le clic. Sentez le désespoir dans ma voix. Faudrait que je puisse mettre un patchwork là pour qu'on le voit plus. Et en plus il envoie tous ses péons qui sont low life. Ah non, non, mignon, on peut pas faire un camp de mineurs aussi dégueulasse alors qu'on ne gère rien chez l'adversaire. Et en plus envoyer ses deux péons qui ont fait la chasse du sanglier. Ça c'est interdit. Mal scouté, qui n'avait pas trouvé tous ses moutons. On rappelle, la base d'un BO, c'est de trouver tout ce qu'on a autour de son TC. On ne va pas chez l'adversaire tant que toutes les zones d'ombre ne sont pas explorées pour avoir tout trouvé. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir mener une agression si on peut pas faire un BO correct. Donc, pour faire le BO correct, il faut tout trouver. Donc, on va pas scouter chez l'adversaire tant qu'on n'a pas tout trouvé. Du scout là, ça va faire mal pour le scout rush si on reste toujours sur un plan de jeu scout rush vu le timing. On reste dessus, on oublie de faire le shift click pour envoyer les péons au travail, dommage. La tour aussi est pas ouf là, le souci c'est qu'on pourra pas la wall de ce côté là donc si l'adversaire voulait engager la tour, très faisable dans l'absolu, même s'il était wall ressource. Et la tour, on la fait toujours sur une ressource où on a du wall, justement pour éviter le rush. Parce qu'à nos élos, on n'a pas les réflexes forcément d'être là et de se dire ah mince, il y a l'adversaire qui arrive, hop, on entre. On n'est pas assez rapide pour faire ça la plupart du temps. Yo, Rayou. Alors, mignon, au moins, ces axes d'amélioration, ils sont clairs. Hein. Le placement des bâtiments économiques. La répartition des péons, on voit pas des péons qui sont low life sur le front, et le placement des tours. Elle est
Useless à fond cette tour. L'adversaire il peut poser une tour là, il peut venir avec des archers, deny un peu de récolte. Idem, ça protège pas du tout le bois. Elle sert à rien pour le bois. Je pense que c'est une tour qui a été posée en le cul entre deux chaises. Et du coup, elle sert vraiment totalement à rien. Aïe aïe aïe. J'espère qu'on va avoir des plus belles choses que ça, hein, parce que là pour l'instant ça enchaîne les erreurs qu'on voit qu'à très bas elo normalement. Ah, hormis les camps de récolte bien sûr, qui est alors, assez classique, qu'on voit plus vers les 2000 d'elo. Hormis bien sûr sur les camps placés à la va-vite quand il y a du rush de partout, ça c'est une autre affaire. Ouais, il faut faire quelques fermes, effectivement. Il y a de la banque, les deux joueurs devraient la dépenser. Temporise avec les boutons un maximum, hein, mais c'est vrai que ça coûte rien de commencer à dépenser le bois. Bois qu'on pourrait dépenser en wall ressource, ce qui sécuriserait vachement plus. Si l'adversaire était venu avec des man at arms, par exemple, en plus des archers. Là, dans cette situation, faut pas hésiter à engager avec du péon sur les lanciers ou à faire des petits scouts. Comme ça, on attire les lanciers un peu loin et on envoie les scouts sur les archers. Là, une bonne agression qui dénaille bien l'écho de l'adversaire. Il faudrait pas trop s'endormir sur un camp de mineur, enfin, un camp de bûcheron qui vient d'être abandonné. Pas ici à tourner dans l'écho. On sait qu'il y a une or ici. Beaucoup de monde sur cette or. Attention, Red Arc, tu joues pas archer. Hein. Pas encore joué KTS. Et vu le prix des fermes teutonnes, c'est vraiment dommage de pas dépenser cette banque. Ferme qui se fait forcément quand on fait un clic droit, hop, on va sur la base, on fait quelques fermes, on revient. Dark qui envisage peut-être un clic château, mais avec une écho si mal équilibrée pour l'instant, ça plutôt à rien. En 5 de bois, la ferme pourrait déjà avoir une économie pour les châteaux Red Arc. Effectivement, c'est son adversaire qui pique premier alors que c'est pas censé arriver dans ce match-up et dans cette configuration de game. Malgré qu'il soit lui qui ait pris la pression et qu'il y ait eu de l'idle écho, pourrait un peu mieux. Pour le coup, je l'aurais préféré devant, vu que là on a déjà le passage protégé par de la range de l'autre tour. Mais elle est bien. Très très tard, le souci c'est qu'en face il y a une sif chameau, donc même qu'on serait passé légèrement avant, qu'on aurait commencé à faire du KTS, ça aurait pu être compliqué. Alors que le KTS teuton il tente plutôt pas mal face à du chameau.
Du coup, les idoles TC qui sont légèrement rattrapées. Lignon qui est passé devant la Dark. C'est dommage puisque c'est lui qui menait l'agression, donc il y a moins d'excuses pour en prendre. Même si il n'avait pas la vue sur ton économie. Mais... Lui, il n'a pas eu de problème de récolte en théorie. Dark n'aurait pas qu'il soit sur la poste de la deuxième écurie. Sur les upforges. Match-up compliqué pour les Teutons, oui et non, parce qu'au final, les chameaux, il peut plus ou moins les tanker avec ses KTS, mais derrière, il a des piquets qui tankent mieux. Il y a un très bon siège aussi avec les Teutons. Un contre archer piqué en face. Il est parti tirailleur, oui, il a fait que des tirailleurs, en plus comme c'est des tirailleurs du féo, ils vont se faire pulvériser par ses archers. Là le souci c'est que c'est pas l'écurie qu'il lui faut, maintenant qu'il y a des archers chez lui, il lui faut un atelier de siège. Il n'a pas trop le choix. À moins que l'adversaire décide d'endormir la game et de rentrer chez lui. Pour une autre... de jeu. Il y a des tours d'un peu partout. Ou un tower defense chez Red Ark. Le souci c'est que ces tours, elles sont pas wall. Donc on peut rusher dessous, on aurait pu se poser là. Comme on avait largement plus d'up, on aurait pu clean tous les tirailleurs. Serait bon aussi de pas s'oublier sur sa deuxième up de défense plutôt que de faire l'attaque. Là, c'est un mauvais choix de Red Ark. Il y a des archers en face, il y a full archer. Il faut privilégier les deux up de défense. Il y aurait eu de la cavalerie, on serait dit, bon, bah, il faut transiter sur les up d'attaque, en priorité. Mais là, c'est pas le cas. Donc, en plus, il sait qu'il va clean, que derrière, il va pouvoir passer sous DTC. Et pour réellement pouvoir, il faut ce deuxième petit fer à cheval. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le volume de ma voix? Ah. Mauvais raccourci. Hop, est-ce que c'est mieux? J'ai mis ce clic sur un raccourci, je pense que j'ai fait bugger les sortissants. Donc on n'ose plus trop avancer, on a une approche économique. Dommage de faire dormir ces KTS. T'as moins l'impression que tu as le micro collé à ta bouche, ok? Et du coup, il y a encore cette impression. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je descende encore les volumes? Est-ce que c'est mieux? C'est pire? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Armé dans un seul coup de commande. Ah, c'est bien. Il y a le petit atelier de siège là qui aurait fait du bien en défense. Il aurait pu être rentabilisé en attaque. Dommage.
c'est mignon, qu'est-ce qu'on fait? On a fait beaucoup de casernes, je suis pas fan de la transipiquée. Là, le souci de la transipiquée, c'est que l'adversaire, bah, il a des KTS feutons. Et que s'il veut temporiser avec du piqué aussi, bah, ses piqués, ils domineront toujours les piqués adverses, grâce au plus 1. Vraiment dommage quand on a une cible chameau de pas essayer d'en profiter. Bah, c'est sûr qu'on a une toute petite transiferme, on a beaucoup de PC. De PC, c'est beaucoup quand on a que 13 fermes, ça veut dire qu'on peut à peine produire du villageois en profit. Donne tout, mais c'est normal, il y a du piqué plus de death alors qu'on n'a pas fait toutes ces ups sur ces KTS. Donc la durée de ces KTS, elle est pas mal tronquée. Aïe, César qui donne tout, mauvaise habitude. On a fait un peu la même tout à l'heure en s'entraînant contre Sommelier. Qui devait gagner tous les jours, il a préféré s'empaler dedans alors qu'il avait commencé à la prendre comme il fallait. Chameau logique qui est venu, mais une fois qu'on a déjà clean tous les KTS, hein, puisque finalement il a micro qu'il fallait côté Red Arc, on n'a pas pensé à cliquer ses ups. Voilà, on n'aura pas une seule fois l'annonce en entière tellement Poupou il régale. Merci Poupou, coucou. On va essayer de les remettre après, hein, chacune leur tour. Et le château du suicide, hein, qu'on pose quand on a la pression, qu'on pose dans la face de l'adversaire, histoire qu'ils prennent tous nos péons, plutôt que de sécuriser de l'écho. Ça, c'est mauvais réflexe, hein. Le château, il faut le poser en défense, sécuriser, temporiser l'adversaire. Ah, mais c'est des 5 alertes d'un coup. Bah, c'est trop bizarre, ça. C'est pour ça que ça a fait bugger le truc. Comment ça va bien? Bah écoute, ça va, ça va. Pas trop dormi, on va pas se mentir, mais on fait aller. Malgré que le bon Red Arc soit en train de se faire exploser. Mignon qui gère très très bien sa game. Tout en ayant fait très peu de péco. Comme quoi, c'est pas toujours nécessaire. On va se faire coucou entre deux factures. Aïe aïe aïe, courage, bonne tort. Chez le kiné ou chez la kiné? Non, tu serais pas déjà revenu si c'était la kiné. C'est vrai que Red Arc a une belle banque, mais qu'est-ce qu'il peut en faire? En face, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout et il y a plus d'up. Donc c'est compliqué. C'est quand ton match, mon match c'est dimanche matin à 11h et ce sera cast chez Titus. Titus qu'on retrouve, hop,
voulais pré-shot le follow pour pouvoir suivre le match. J'affronte le camarade Ao qui se met à ghoul. Ouais, il y a pas mal de matchs intéressants ce soir là. C'est relou, je suis pas là. Donc il y a Jaco Casté, donc il a aussi sa petite commande. Les carottes bleues, 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 bleues. Et à chaque fois, je me fais avoir par la commande. Est-ce que c'est Griffon, Griffon bleu, voilà. Ouais, il y a aussi le match du Grand Moms ce soir. Et puis il y a aussi le match de Florianito contre l'heure du thé. Donc il y a beaucoup de matchs qui vont jouer plus ou moins en même temps. Beaucoup de matchs que je veux voir et que je serai obligé de voir juste en rediff. Super. Merci les gars. On s'empale une nouvelle fois malheureusement. On va décaler l'écho parce que heureusement pour Red Arc, Mignon, il a beau bien gérer sa game, il a pas l'air très très nerveux dans le push. Il n'y a pas vraiment de raid écho qui sont tentés, il n'y a pas de tentative d'enfoncer les lignes adverses avec peut-être quelques béliers ou que sais-je, hein, peut-être une compo avec un peu plus de chameaux pour avoir plus de mobilité. Pour l'instant, on trouve pas les réponses, alors que la réponse la plus simple et évidente, et que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, était déjà la réponse sur le début du push. C'est du siège, Mangono. Vraiment que je change la commande. À chaque fois je me le dis en live et à chaque fois j'y pense plus après. Non, en attendant on peut faire celle-là. Trop de BO, calmez-vous. Bah oui, mais c'est le problème aussi, là on a qu'une semaine pour faire tous les BO 5. Donc forcément, bah on se marche tous dessus. Voilà. Au moins ça enchaîne, c'est bien. Il y a un petit château dans l'écho, c'est bien. On a quand même une écho qui est full ouverte, l'adversaire qui fait full cave, donc il pourrait tenter des raids d'écho. Ce qu'il ne fait pas. Mais comme il pourrait, on sécurise avec des châteaux, avec des piquets là où il n'y a pas de château. Très très bien. Pourquoi t'as tombé haut, c'était contre quelqu'un qui a forfait, Rayu? Bah, je te rassure, beaucoup, ça s'est pas enchaîné pour tout le monde, malheureusement. Moi, le AOE Arnaud, là, je le retiens. Il n'y a pas eu que lui. En fait, ça s'est pas enchaîné. Je retiens mon sel. C'est qui ton adversaire, Rayu, déjà? Nous tous, voyons si le staff peut y faire quelque chose. Je me souviens que Skitter il répondait pas du tout à Sommelier et dès que j'ai mis un message il a répondu. N'impatient, ah lui il était sur des lives en plus à un moment donné.
essayer de le pinguer. Pas ça. Miller un raid, Miller un raid, Miller un raid, Miller un raid. Merci pour le resub, Nail, et coucou, comment tu vas? Bon, on va tenter du raid écho, mais je pense que si là on perd cette masse, ça va peut-être être le moment de dire GG, surtout qu'il va y avoir le passage impé de l'adversaire. Chabot en défense, plus les flèches du TC, ça risque de faire beaucoup trop mal. On va quand même les prendre, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on est Teuton, donc on tanque un peu mieux. On a perdu pas mal de sa force de frappe, là. Malheureusement. Comment va le bon petit K? Bah écoute, je vais bien. Nickel, nickel, et toi? Ouh, la transi pour le beau jeu. Chevalier teutonique. Chevalier teutonique, ça peut être une bonne réponse au piqué ou au chameau. Il faut juste réussir à les utiliser avec leur manque de mobilité. Bah écoute, hein, au pire je le ping pas et puis tant pis, de toute façon il avait qu'à répondre avant. Effectivement, on arrive sur la fin de semaine. Pour lui. Finalement, Redar qui est plutôt tranquille chez lui depuis un moment. Il y a de l'armée qui va arriver imp. Un adversaire qui fait un premier trèbe, mais pour trèbe une archerie. Donc il a décidé de laisser à son adversaire encore plus de temps. C'est dommage la mignon parce que il a su bien poser son écho, il a bien temporisé la pose de ferme. Quand il a dû les fermer, il a été beaucoup plus rapide que son adversaire. Il a fait des choses très intéressantes. Mais sur le push, ça dure depuis longtemps. Il y a des moments où il clinait l'armée adverse, il avançait pas du tout. Ça va, j'essaie de revenir dès que je peux. On va croiser les doigts du coup. Je te dirais bien de revenir avec un petit tournoi vu que c'est celui de DCA qui s'organise là, mais... Si t'as pas joué depuis un moment, ça va être compliqué. Aïe aïe aïe, on donne notre rêve là. Ça commence à piquer dans les doigts, hein, moi. Oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On a bien vu les performances du bon Lesia au tournoi de Coucou. Après 5 mois. Est-ce qu'il avait cliqué là, Redar? Et le GG qui école en toute logique. Je dirais quand même que globalement il y a plus de maîtrise côté Red Arc, mais il y a des décisions d'engagement qui sont désastreuses. Enchaîner des amis chez moi, puis une semaine à Nice en vacances et en rentrant, mon PC était mort. Oups. Il a quoi ton PC? J'avais laissé ton PC pour l'IRL, sinon il vous fait payer. Surtout qu'un PC, il y a des conditions d'entretien.
qui sont plus aisés avec un PC fixe et qui permettent aussi de le délaisser quelque temps. On peut le délester plus facilement de ses charges et on peut mettre des matières dedans pour pas qu'il s'abîme. C'est pas le cas d'un PC portable. Et n'achetez pas un PC portable, c'est de la merde. Je vais remettre le petit point au bon mignon. Et donc, qui gagne la première, c'est bien sûr Mignon. Merci pour les points. Mon Smurf avait voté Mignon. Je pars sur fixe là. Ah bah c'est cool. Va te changer la vie. Alors, on va rester sur un onglet genre... Ah non, remarque si je quitte aussi badge. Donc on va retourner sur les drafts. Draft, tac. Mission. Si tu as besoin d'aide pour le composer, pour choisir quelque chose de correct, n'hésite pas. Été mon domaine principal d'études, même si j'arrête avant le diplôme. Alors on a eu deux tons éthiopiens, donc ça avait été prédit. On va partir soit sur Brigid Lake, soit sur Team Island. Alors du coup ça va pas mal dépendre, c'est dommage de pas savoir à l'avance. J'ai le salon, a priori dans le salon ils sont sur Team Island. Donc Team Island, qu'est-ce qu'on prendrait? Potentiellement Viking côté Red Arc, même si j'aimerais un play couvent. On pourrait bien défendre du land assez facilement. Et en face, ça sera certainement byzantin. Ça serait dommage de pas prendre byzantin. On va lancer parce que j'ai la game. Et on va lancer une prédiction dans pas longtemps. Juste le temps de changer. Donc c'est bien Viking contre byzantin. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir couvent. Tout le Viking qui va avoir beaucoup de mal face aux incendies byzantins. Peut-être à faire une game là. Bah écoute, si c'est une game de chauffe pour bien réussir ton match tout à l'heure, let's go. Hein. Prédiction. Commencer la prédit. Qui gagne la deuxième game? Mignon a gagné la précédente, donc on va le mettre en premier choix. Et Red Arc. Mettre 5 minutes. Parier les points de chaîne, c'est maintenant. On est sur une home map de Red Arc. Red Arc qui joue plutôt bien l'eau habituellement. Le souci, c'est quand il se fait land. Face à un byzantin, on devrait pas avoir trop de land trop tôt, donc ça pourrait le faire. Game qui est commencé. On commence par cela, il me les baie, mais on s'en fiche, on n'est pas censé les prendre tout de suite.
3700 points pariés sur Red Arc. Et une cote à prendre là dans les votes. Let's go les parieurs de cote, ça y est, 10 points qui sont misés sur Mignon. 99% à 1%. Ah, il y a un petit peu plus de points qui sont sortis. Ok, donc là on est quoi? On est à 6. On entend dans les tribunes les encouragements pour Red Arc. Voter contre Red Arc. Je crois que ce chat est très orienté. Désolé mon mignon. Là, ouh, le mouton qui vient empêcher le rabattage. Être à la nation. Et on va aller faire le dock, c'est bien, on n'est pas dans les mauvais timings. Commencer à rabattre ses sangliers, ça par contre c'est peut-être un petit peu tardif comparé à Mignon. Mignon qui était bien mieux timé là-dessus. Body bloque un petit peu, manière de pas prendre trop de dégâts. D'ailleurs ce qui se fait aussi sur Team Island, c'est de rabattre ses sangliers avec le scout. Ça évite de prendre des dégâts sur les péons et le scout finalement il sert juste à scouter son île. Quand il a plus de 2 PV, on l'envoie avec un transport sur l'île adverse pour voir un petit peu ce qui se fait. Est-ce que vous êtes chaud, le meilleur public d'Europe? Poupou, toujours à fond. Là, c'est du poupou, ça. Il a pu voter contre Red Arc, c'est honteux. N'est-ce pas, mon cher Rayou? Toi qui as le vote 1. Encore une fois, l'idle TC de Red Arc qui est plutôt élevé. Et petite erreur aussi, on envoie une péonne avec 22 de nourriture chasser un sanglier. Le bon réflexe, c'est on rentre le péon dans le TC, on met un point de ralliement et on sort le péon avec le bon raccourci. Comme ça, il a force drop la nourriture. S'il lui arrive un drame, on n'a pas tout perdu. C'est un bug? Non, 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 c'est pas un bug, mais... T'inquiète pas, hein. Nous sachons. Joli rabattage, mais ça a failli être très mal posé. Les péons ont failli pas pouvoir tous se mettre autour. Ok, bien mieux trouvé pour Mignon là. Vraiment insane d'avoir les bateaux de pêche qui peuvent faire comme ça. Donc a priori on partira pas sur du land, à moins qu'on fasse du land tardif. Les deux joueurs qui sont partis sur une grosse pop écho, donc peu de chance que ce soit pour land, hein, parce
Sinon, il y aurait déjà le transport en train d'être créé. Par contre, attention aux Vikings, s'ils comptent pas land et qu'ils comptent jouer l'eau, pour gagner contre de l'incendie qui arrive à spammer en continu sur deux docks, il va lui en falloir 3. 3 instants arrivés Féo. Et avoir une écho correcte pour spammer dessus. On s'est bien rattrapé côté mignon sur la pose de ces bâtiments écho. Peut-être qu'on était vraiment stressé sur la première. Là, on est moins stressé, donc on a plus le temps dans sa tête et dans ses APM. Faites attention de ne pas pêcher ça. Avec les bateaux de pêche, c'est pas rentable, c'est pas rapide. Belle réorientation, ça c'est une belle macro. En cours. Et pourquoi on fuit? On pouvait tellement le bully tous les jours. J'ai pas fait de vote sur qui faisait le premier kill, hein, il faut arrêter. Ah. Ok, donc Redark qui préférera prévenir les risques avec de la palissade. Pourquoi pas? Le souci dans ce cas de figure, c'est que si l'adversaire a land, ça veut dire qu'il a un bateau de transport. Donc, qui dit bateau de transport et pas beaucoup de route à faire, dit que par exemple si on fait des scouts, on peut faire 2-3 allers-retours en quelques secondes pour passer outre la palissade. Conclusion, la palissade seule ne suffit pas, au moins sur les bords de map. Il faudra soit des bateaux, soit des tours. Ah oui, il est 15h déjà. Bon. Je vais AFK pendant une petite minute. Je reviens tout de suite. On va se mettre sur la bataille ici. Là, là ça va faire mal. Hein. Fire byzantin. Là, il faut over micro. Il faut être très bon en micro. Et il faut avoir plus de dog que l'adversaire. Pour pouvoir dépasser la masse. Vu qu'on les paye moins cher les galères avec les Vikings. Là il trouvera pas de dégâts malheureusement, il a déjà trop perdu, il faut prendre, essayer d'aller prendre la pêche et tant pis, on a perdu l'eau temporairement. Je reviens.
Et heureux. On va essayer de rattraper un peu tout ce qui s'est perdu, passé pendant qu'on était parti. Les bateaux qui ont probablement été perdus. Grosse domination du Byzantin. Le Ridoc dans le bac qui est fait sans aucune défense, donc nécessairement, ça fera pas le café. J'ajoute des mots à la compo, pourquoi pas? L'idée de land, pourquoi pas aussi? Et vraiment, on a pu voir pourquoi c'était une mauvaise idée de prendre Viking sur cette map. À moins d'avoir une micro 2200 d'élo minimum. Bon, exagérons pas, mais très très bonne micro avec beaucoup de multitask. Et un BO parfait pour pouvoir spammer sur 3 docks instantanément quand on arrive féo. Alors, est-ce qu'on fait les... On a les submilitaires. Ok. Forcément, on n'a pas ligne de sang puisque la cive n'a pas ligne de sang. Le souci dans ce nouveau plan de jeu, c'est qu'on est face à un Byzantin. Un Byzantin qui est déjà château. Un Byzantin qui voit nos écuries. La bonne réponse, ce serait pas KTS, hein. Ce serait chameau. Un mot discount, on contre tout ce que peut faire le Viking dans ses écuries, c'est bon. Ah oui, les pions, ça tombe très très vite, c'est dommage de pas les avoir wall. Ah, malheureusement, hein. L'économie de Red Ark, elle est pas du tout équilibrée pour ce qu'il fait, et j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire depuis qu'il a perdu l'eau. Très bonne réaction de Mignon, de prendre des bâtiments. Le pari de Rayou qui risque de s'avérer payant. Ah mais non, si c'est un bug, c'est bon. Ça veut dire que personne n'a voté Mignon. Donc, je peux annuler l'après 10.
Ah, le bon Darwix. C'est toi qui as voté beaucoup de points ou c'est Rayou du coup? On n'annule pas les bugs. Aïe aïe. Bon, on a eu la belle transit Drakkar là. J'allais dire un petit peu light, mais non, mais surtout qu'on n'a pas micro quoi. Encore une fois, hein, c'est comme la game de ce matin contre Sommelier. Un peu plus de micro et gagne tous les jours, et il n'y a pas de micro. Donc bah, on perd. Là, j'irais pas jusqu'à dire qu'il gagnait tous les jours, mais au moins il faisait beaucoup plus de kills dans la flotte adverse. Quelques petites galères là dans la compo du Byzantin, ça ferait pas de mal. Un exemple sur Microsoft, mais quel sage. On pourrait presque te renommer Rayou le sage. C'est le meilleur exemple à prendre. On va pas micro nerd pour rien, mon bon Red Arc. Micro, c'était sur la fight qu'il fallait la faire, pas sur un poste avancé. Alors, c'est plus compliqué que ça avec Microsoft. C'est pas juste qu'ils les corrigent pas et qu'ils en créent des nouveaux. C'est quand ils essayent d'en corriger, ils les corrigent pas. Et en plus, ils en créent des nouveaux. Et quand ils ajoutent des fonctionnalités, comme ils ressortent des vieilles lignes de code, bah ils remettent des anciens bugs, les rares qu'ils avaient réussi à corriger. Ça, toute la complexité de Microsoft. Et là, on micro bien, c'est cool. Bah, clairement plus vite que les Fire. Malgré eux. Eh oui. L'élite de l'élite. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Ah, il me faudrait une petite commande son pour ça. Ouais, on a vu la petite flotte de transport. Là, ça aurait peut-être été bien de la prendre avec le petit démo. Hein. Ici. On va donner pas mal de flotte pour rien. Est-ce que le moment ne serait pas venu de retenter un land, mon bon Red Arc? On gagne l'eau, on fait pas plus de dégâts que ça. Faut profiter de cette domination pour appuyer un land. Avant d'avoir perdu tout son redocking.
prépare clairement un débarquement militaire. Hein. Essayer de venir prendre des bateaux de transport. Attention à toute cette banque qu'on n'utilise pas là, il faut pas hésiter à cliquer des up. Tard. De la vision de sa map. Tardif. Très tardif. On peut faire un plateau dès qu'on arrive. Ce serait peut-être bien de le poser avant pour faire un trêve. Ah non. Invisible. Ah non, ça, ça fait très très mal hein, sur la masse de Drakkar. Ils sont tous paqués sur la même case. Micro plus qu'on reste dans un petit coin, même s'il y a un château en soutien. Enfin, à condition de tout envoyer, de pas trop galérer sur le passe-famille. Enfin, finalement, on s'en sort, mais parce qu'il y a une mauvaise micro côté mignon. Et donc, il aura préféré essayer de prendre une tour plutôt que d'envoyer des coups de talion à canon dans les Drakkar.
bien, surtout qu'on a un adversaire qui a arrêté de faire du perron, donc on a se rattraper un peu plus court. Pas dit la joie près, pas si loin. Aussi chez l'arc là, s'il s'endort pas trop, le mignon devrait pouvoir plier la game. Tout ce qu'il faut pour aller sous les TC. L'arc, il a aucun bâtiment de prod militaire hormis ses châteaux chez lui. Parce qu'il y a une petite caserne, une caserne impliquée par un ticket. De Castel la Corvignon. Il y a grand chose en étoile côté Red Arc. Presque déjà colle le GG. 47. Ça fait le café, mais ça tombe quand même en masse. On pourrait tellement prendre du poids là. Non, c'est interdit de pas prendre ses fermes. On va taper sur les autres pions et prendre des termes. On va en faire celui. Ah, il aura pas survécu bien longtemps.
nouveau un land de proposer. Ah, c'est toujours des petits coups. On tient pas trop avec de la flotte parce que là on pourrait très bien prendre ces bâtiments avec la grosse masse navale et avancer un peu plus sur les pots avec le reste. Dommage. Réussir à trade face à guerrière plus incendie si l'adversaire envoyait tout. Ah bah il a pas fait. Ok, il a décidé d'arrêter l'incendie. Dommage, toujours intéressant d'avoir une compo d'armée même sur l'eau. Déroule, faire du nouveau, faire une partie de son propre, de sa profil. Malgré qu'on ait une écho phénoménale, on reste pas, mais on continue sur tous ces bâtiments militaires, mais on n'en fait rien. Tout plutôt que d'utiliser ces 2200 de bouffe, autant faire un camp de mineurs. C'est une très mauvaise idée. Les sangs de bois, fallait refaire le camp de bûcheron et spammer du pité depuis un moment. On va avoir une soixantaine de piquets sur sa propre île là depuis au moins 5-6 minutes. Ça aurait permis de se reconcentrer un peu sur la prise de l'eau. Mignon, ce serait peut-être bien de penser à envoyer un peu plus de troupes. Ça serait bien aussi de se spammer un peu plus. Là même, on a une écho phénoménale, mais on n'en fait strictement rien. C'est un trade par un trade, et encore on fait des petites pauses entre les deux, pas besoin de produire en continu. Faudrait pas fatiguer tous les ouvriers dans ce château. Ils ne peuvent rien faire du tout par la flotte. Voilà ce comité. Paloufion. Et le paloufiateur. Après avoir cliqué paladin, est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire quelques écuries chez l'adversaire?
le GG, école. C'est évident depuis un petit moment, on aura eu des petits timings pour essayer de revenir ou de temporiser. Mais le match-up était pas bon. Red Arc, c'est pas fou l'entraîné. Il a pas eu les bons calls. Enfin, tout à l'heure, il a pas eu la bonne micro. Là aussi, en début de partie, il a eu une mauvaise micro. Après, ça s'est un peu relevé. Et encore une fois, le match-up est vraiment pas bon. Le Viking, il a pas de fire. Et le souci des galères, c'est que oui, quand tu as un très gros elo et beaucoup de multitâches, tu peux t'occuper de faire de l'unité en continu, de la galère en continu, de micro tes galères en continu tout en faisant ton écho. C'est pas le cas de Red Arc, de Pion ou de moi ou peu importe. T'as pas le niveau pour faire ça. Et donc sur une map comme ça, bah, celui qui joue Fire et en plus Fire Byzantin, il a juste à faire un clic droit. Il laisse ses Fire tout pulvériser pendant que l'adversaire, soit il over micro et donc il gère plus son écho, soit il gère que son écho et il perd tout son investissement militaire. Et rien que partant de là, la game elle était faite déjà. Typiquement, c'est un Steve Win. Finalement, Red Arc, il arrive à regagner l'eau et tout, hein, malgré ça, quand il se réveille un peu sur la micro. Mais derrière, il fait plus de péon, il a du mal à gérer son écho. Et l'adversaire revient dans la foulée, puisque il a pu bien gérer son écho. Et la deuxième, Mignon. Et la prédiction, on va aller sur la deuxième home map de Red Arc. La deuxième home map, c'était Frigid Lake. Frigid Lake, sachant qu'il a joué. J'arrive à retrouver sa draft. King et Teuton. Là, ah, il reste quoi? Malé, ça peut être intéressant. Pouman, ça peut être très intéressant aussi. Les deux autres, par contre, je ne les prendrai pas sur cette. Et côté Mignon, on a pris Byzantin et on a pris Éthiopien. Et il reste quoi après là? Costo Mountain. Peut-être un japonais pour le coup. On va partir sur malais japonais, même si encore une fois j'espère le play couvent. The game. Alors, petite prédit, dernière du BO5, game sera la dernière du BO5, oui ou non, avec 5 minutes. Souhaiter pour Red Arc que ce soit non. On aura Malais contre Malien. On va
rappelle qu'il y a une prédit en cours, la deuxième home map de Red Arc. Cette fois-ci, un match-up qui va être beaucoup plus à son avantage. Donc enfin une game où il y a moyen qu'ils la prennent en main. Ça va être quand même compliqué parce que le Malien a déjà un up qui équivaut largement à Gambaison. Mais le Malais il a le plus un de def. Ça va partir infanterie, il y a la polyvalence de côté des deux cives. Le Malais qui passe un peu plus les âges. Il faut voir comment ça va être joué en tout cas. Gagner l'eau assez facilement avec Malais grâce au changement d'âge plus rapide. On aura le timing pour avoir des navires de guerre en premier normalement, même avec un peu d'idle. Par contre sur le land, c'est Malien qui a des chameaux. Comme Malais. À part cavalerie à l'avantage des Maliens, par infanterie. En début d'âge, toujours à l'avantage du Malais. Les Maliens, une disposition possiblement très agressive en étant très proche chacun l'un de l'autre. On commence par la pêche. Est-ce qu'on connaît le build où on envoie dès le 5e au bois et a priori la méta sur la map? Pas le cas côté Red Arc et c'est pas le cas non plus côté Mignon. Dommage, on perd du timing pour gagner l'eau. J'aime tellement ça d'avoir 4 moutons et un sanglier au même endroit. Tellement infâme comme j'ai. En front. Reste build classique 6 à la bouffe malgré que ce soit du poisson. Qu'est-ce qu'on a de Paris du coup? De Paris à deux Paris. 3 à 2. 2 qui pensent que ce sera la dernière. 3 qui pensent que ce ne sera pas la dernière. Celle-là est pour Red. Bah, j'espère bien qu'il va nous en prendre au moins une là parce que c'est un petit peu décevant pour lui. Et voilà, quand on a déjà un 2-0, c'est quand même compliqué de la jouer au mieux de ses capacités. Qui a battu et Inchi. Ça, je reconnais, c'est un bug du jeu. C'est donc qui est pas indiqué comme inactif, mais qui est inactif. Rien haut, c'est pas pour rien. Inactifs. 1-0, le maître ne bosse pas depuis tout à l'heure. Du cas. Ah, lui il est en pause café. Et il a fini le café, il peut retourner bosser. De part et d'autre, les deux joueurs qui décidera deux fiches avec la péone et le deuxième qui décidera de rabattre le péon vers la maison.
Non, on fait un seul quiche et on préfère faire un moulin. Pas tant pour la place qu'on met pour des deux premiers abattus. Et pourquoi pas. Important des deux côtés cette fois-ci. Dommage avec ce BO qui est censé pourtant être plus facile que sur les autres maps. Le poisson se récolte plus vite et qui compense largement le deuxième sanglier. On n'a qu'un seul sanglier. Le premier à cliquer ce sera Red Arc. Et avec une moins grosse pop de bateau de pêche. Donc instant on veut vraiment gagner l'eau alors qu'elle est pas très poissonneuse. Déjà pu les envoyer un semi. Yep. Le plus sain de death. Attends, ils sont déjà pas mal. Pour mignon. Un peu tard pour le chercher avec deux péons sur la même tronçon. C'est intéressant. Maintenant faut pas s'endormir. Mais attends, ça sert à rien depuis tout à l'heure. Attends, il y a eu un démo là. Attends, s'il faudrait les envoyer. C'est là-haut, donc il y a déjà des alertes. Aïe aïe aïe. Mignon qui pense que c'est passé par en bas. Or que non. Passer sous le PC.
Wall, what the fuck? Ah, Wall TC, ok. Oui, bah, c'est un peu le problème du Wall TC sur cette map, c'est qu'effectivement, c'est pertinent tant que tu récoltes sous forum, mais dès que t'as plus personne autour, t'as rien. Où les archers de retard, ça? Ils arrivent, ils prennent leur temps, ils arrivent tranquillement. Ils peuvent venir aider leurs copains Manatarms. Parce que si on appelle ça un Manatarms archer, c'est justement que les Manatarms doivent survivre et les archers arriver avant qu'ils soient morts. Monsieur le Malais, vous n'êtes pas Khmer, quel que soit le visuel de vos bâtiments. Et j'ai l'impression que Redark qui croit qu'il est Khmer. J'en suis quasiment persuadé. Lancer deux prédits, j'en lancerai une deuxième dans la foulée. Est-ce que Redark pense qu'il est Khmer? Alors quel boulet, c'est peut-être un petit peu violent. Ça m'est déjà arrivé de me dire ah merde, pourquoi j'ai ces bâtiments là, pourtant je suis pas Khmer, et de me dire ah oui effectivement je suis pas Khmer. On a tellement peu l'habitude de jouer certaines sifs que quand on les joue, l'architecture nous rappelle celle qu'on joue habituellement et qu'on a. Heureusement, on s'endort un peu sur la prod d'armée. Donc l'adversaire nous dépasse, il va reporter l'agression chez nous. Heureusement, il va y avoir le clic château s'il s'endort pas dessus. Pignon qui aura fait un clic droit quelque part plutôt que d'avancer en patrouille. Très très cher sur ce move. Belle embuscade sortie des marais. Hein. Imagine les archers cachés dans les marais. Du coup, on aura clean toute la masse de minions qui avait pourtant beaucoup plus d'armée au départ. Dommage de ne pas envoyer les Manatarms. On rappelle Manatarms bonus pour les bâtiments. Ça permet les palissades de rentrer rapidement. Ah, enfin, un moulin autour de cette ferme. Seulement il s'est pas endormi sur le coup, parce que comme Malais ça passe vite, j'étais surpris de le voir déjà arriver. Il faut temporiser, faut pas les donner ces archers. Là, à ce niveau-là, c'était plus qu'un carnage.
Toi qui avais si bien géré tes camps jusqu'ici, Red Arc. Quel dommage. En tout cas, une bonne avance pour l'instant pour Red Arc, il n'y a rien qui est fait. Mais on pourrait la gagner, là vraiment on s'est mis dans les meilleures conditions pour pouvoir enfoncer le clou, reste plus qu'à prendre le marteau. Est-ce qu'il va le faire dans les temps suffisants pour terminer la game? Est-ce qu'il va se refaire? T'as pas envie. Envoyer ses manes à attendre sur les tirailleurs. Là. Alors cliquer cette petite top d'attaque là, c'est un peu chier avec les autres de death pour l'infanterie. Ah non, c'est parce que c'est automatique avec Malé. Bon, ça fait une transi pike intéressante face au Malien quand il fera de la cave. Investi dessus, on pourrait se permettre de fish trap maintenant. Là il faut envoyer des archers en faire face là juste ici, faire un peu de cave, aller dans les côtes de l'adversaire avec, mettre de l'activité. Push qui s'éternise un peu encore une fois. Souvent quand on joue archer, c'est assez lent. On tarde à rajouter de la cave pour aller raid l'écho. Bien taper ce PC. Là, on n'a pas trop de mobilité, faudrait pas hésiter à envoyer un petit péon faire des postes avancés. Avec une petite crêpe qui n'aura pas été si bien étalée que ça sur la poêle. Et donc là on a juste pris un TC qui n'était pas si gênant que ça, qui emmerdait plus l'adversaire au niveau de sa production de péons qu'autre chose.
sinon il va peut-être falloir penser à call le GG. Red Arc a clean cette armée, hein, que l'adversaire puisse enfin se dire ok, c'est GG. Ouais, là il faut avancer là-dedans. Préparer un peu de cave et catcher tout ça avec la cave. Ok, le GG qui école. Red Arkian remporte enfin une. Beaucoup d'APM sur celle-ci. Des deux côtés. Qui se termine. Sur celle-ci, j'ai pas de nouvelle ID. Alors on a dit malien et malais. Ok, donc on va aller sur une des home map de Mignon, donc Coastal Mountain ou Sacred Spring. Coastal Mountain, on va prendre Tatar et Perse. Donc Sacred Spring, Hindoustani contre Japonais pour mieux défendre avec les lanciers le temps de passer château. Hindoustani pour mieux péter les petits walls qu'il y aura à droite à gauche. Comment, ce serait une mauvaise idée je pense, même si on a une meilleure mobilité. On va avoir un sublime emplacement de TC. Mais s'il nous fait une Chiablo à le poser sur les poissons, c'est non. Alors, si on trouve la game, vu que j'ai pas eu d'ID là pour l'instant, peut-être qu'il y a une pause pipi aussi. J'ai le serveur, donc a priori ça ira sur Coastal Mountain, Red Arc qui attend Mignon. Aïe aïe aïe, Moms qui cherche un caster, R5 qui est dispo pour co-cast, Pyro qui est dispo pour co-cast, mais aucun qui est dispo pour caster, parce que les deux arrivent à 21h30 et à 21h45. C'est complicado.
On va donner une petite tête de fourbe pour que ça puisse commencer à 21h30. Alors voyons si c'est lancé cette team. Effectivement lancé. Et on aura Hindoustani contre Perse. Ok. Alors je suis vraiment pas fan du pick Hindoustani sur cette map. Ça a un petit peu dommage de gâcher si bonne si féo. Pour une map où on pourra pas jouer le féo. Perse, c'est déjà beaucoup plus cohérent. On va vite se retrouver avec un avantage de péon si on s'oublie pas sur le TC, sachant que c'est une map où ça devrait pas agresser au féodal, bah, on pourrait pouvoir poser son économie tranquillement, donc ne pas s'oublier. Encore 1 minute 40 de délai spec. Ça dit. La dernière prédit. Qui gagne le BO5? Pas directement forcément pour cette game si jamais Red Arc venait à l'emporter. Pas à voter pour la prédit, la game qui va bientôt se lancer d'ici quelques secondes. Game qui est lancé. On voit bien une pionne vers le bas, le reste vers le haut. On a une génération dégueulasse côté Red Arc. On pourrait presque demander un re. Dès que tu scoutes ça, faut demander un re, Red Arc. Ah, c'est dégueulasse aussi côté mignon. Oh non, ce TC de l'enfer. Oh non. Oh ben mignon a gagné. Il se trouve pas, rien que l'emplacement de son TC, ça lui fait prendre une telle avance que c'est gagné.
commence à déjà docker des deux côtés. Celui qui a pu récolter du bois en premier, qui a son premier fiche qui arrive d'abord, c'est logique. Bon, un sanglier alors qu'il pourrait être proche. On va essayer de pas faire de dire de grosses conneries comme ah bah l'Indoustani devrait faire des KTF. On essaiera de s'en souvenir d'ici à l'âge des châteaux. De Pop Echo déjà, Red Arc qui a plus de Idle TC, qui a eu son TC plus tard, le Perse qui va produire plus vite dès l'âge suivant en plus, infâme, on aura enfermé le scout adverse, ça c'est beau, comme ça Chameau il pourra rien faire pour en sortir. Évident, on n'a pas trop le choix vu comme le TC est loin du reste. Le TC qui est vraiment infâme. A pas de ligne de bois, on va être obligé de faire un camp de bûcheron très tôt. On aurait même pu déjà le faire. Il économise rien du tout. Il sécurise pas de ligne de bois non plus. Pas totalement en tout cas. Avec l'Idol TC et tout ce qu'on disait déjà, compliqué. Namaste. Comme en nourriture qui est tardif à se trouver. Ah. Namaste. On drop la Red Arc qui est mal. Sur un FC. Charrier le bateau du milieu. Ah. Une petite phase ici là. Ah non.
on l'a vu là. Quel est le souci ? Proche sur cette map. Là, on a de la chance. Red Arc est pas très bien placé. Malgré ça, le bois est pas prenable. Dans la range du TC. L'or est difficilement prenable. Pas loin du TC. La bouffe est sur l'eau. Très majoritairement, en tout cas. Il aurait suffi d'un lancier pour défendre un scout rush. Allez, disons deux s'il y a un gros scout. Ça sert normalement à rien. Et vu le placement infâme du chrome, là, il pourra peut-être passe bien en faisant le tour et que Red Arc s'endort, il pourra l'empêcher de pas vers le PC. Le chameau qui va être libéré. Moins de trop de ouf, d'arrêter de produire de l'armée, de rien faire. Et mignon, il a une pour l'emporter. Début de partie, petite exagération. Y a pas faute. 2000 de récolte d'écart sur même pas 6000. Celui qui en a récolté, je pense, mais énorme. Très très loin et très forward. Effectivement, le seul monde où ça passe un scout rush sur cette map, c'est quand l'adversaire est greedy. Trouver, c'est logique, on commence à avoir une pop assez importante. Bien, enfin, salam.
pas tant que ça de l'eau. Ok. J'ai fait d'eau. Un peu tard, faudrait pas oublier ligne 200 d'ailleurs. Tardif. Faut pas la bouffe là pour vraiment pas mettre en compte. Trois écuries. Économique en même temps, on a pas mal de dégâts, donc pourquoi pas rajouter un TC, mais il faut rajouter des fermes. Au moins 30 à la nourriture. Bon, des bateaux de pêche plus optimisés que ça, parce que là c'est dramatique. La contre-attaque c'est bien, mais il faut penser à cliquer la deuxième œuvre de death. Et une forge, elle est pas juste là décorative. Il faudrait les envoyer. Et là, du coup, on laisse une chance à Reinhardt de revenir, de pas avoir plus foncé avec les KTS, de pas avoir tapé la porte, de pas en avoir envoyé plus. Profiter du timing maintenant que c'est l'industrie des châteaux, il va y avoir des petits chameaux qui vont taper beaucoup plus violemment que chez les autres cives. Et il y a peut-être un monde où ça revient. Pour mignon avec cette masse, il faut taper un peu ici, taper un peu là, faut venir faire un atelier de siège, faire un atelier, c'est mieux. Faire l'option du château, hein, mais l'option du château elle arrive tardivement alors que le siège ça pouvait être fait instantanément en arrivant au château. Très longtemps de ça. À la place du deuxième. Et par exemple, là on choisit de refaire un TCN. Il a de la chance d'avoir pris un très gros avantage en début de partie, hein, parce que sinon, cette approche vraiment trop hybride, ça passe pas.
idle DC alors qu'on a 3 DC, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on pense pas faire du péon alors qu'on va faire des bâtiments de prod. En même temps, on a tellement peu de mecs à la nourriture que rien que faire du péon sur 3 DC, ça va être quasi impossible. Faut faire de l'armée en plus. Bonjour, bon courage. Salam, amade. Chiffre de pas à rien. On va être dans des endroits comme ça avec du KTS et qu'il y a plein de chameaux. Rien de les faire bouger dans la masse de chameaux, hein. C'est juste prendre des coups gratos. Et de trade au mieux, je les abandonne. Pas grave. De toute façon, ils sont foutus. Un petit peu comme avec les archers. Je crois qu'ils sont foutus. Ça sert à rien de micro-nerd de... avec. On compte sur son économie, on fait de la riprod, on se prépare à réattaquer. Ou à défendre. Belle masse pour l'Indostanie. Tellement frustrant ce mot et qu'on puisse parler avec. Un petit peu là, on sait pas quoi faire. Et derrière de faire quelque chose. Probablement avec la masse de KTS. Pour avancer, c'est quand même dommage de pas cliquer ces putains de forges là, sérieusement. Oui, oui, il peut GG, effectivement. Il peut quand même tester des choses parce qu'il a les meilleurs chameaux du jeu, donc il y a un monde où. Et la partie est quasiment finie. En vrai, sa chance, c'est qu'il arrive plus à spammer. Il a plus d'up écho. Il fait une ou deux up militaires par-dessus et il peut retourner son adversaire puisque Mignon, il a décidé de ne faire ni up écho ni up militaire.
Il ne leur manquerait pas un ou plusieurs raccourcis d'accès rapide au bâtiment écho et à la forge, certainement. De nouveau, la game s'endort un petit peu. Pas attaqué de part et d'autre, mais on n'ose pas non plus faire ses up. Et ça y est. Net transi piqué pour prendre la masse de chameau et foncer dedans avec les KTS, ça aurait été tout. De joueurs, ils ont des masses d'armées mais ils veulent pas en faire quelque chose. À 27 et ça va, parfois ça donne un ou deux petits coups sur une ou deux unités et puis ça back. Un peu plus justifié côté Red Arc, hein, forcément, parce que enfin, côté Red Arc, côté mignon vu qu'on a piqué un. Cassiopée, merci pour le raid. Salut Lycris, Yo Arcos. J'espère que le live s'est bien passé. Par contre, tu jouais pas, enfin, tu faisais pas ton match de barrage, Cassiopée. Que je l'ai rentré l'autre jour dans le planning. Et on se décide enfin à faire quelque chose de son armée côté Red Arc. On essaye enfin de reprendre la game à son avantage malgré qu'on était mort depuis le début. Ouais, c'est samedi 10h, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, donc j'avais été voir les poules et du coup j'avais vu que t'avais fini first de la tienne et que tu affrontes le quatrième de celle du dessous, ce qui est logique. Et bah du coup ça rend bien les coups maintenant, ça y est. On aura bien fait de temporiser un peu, mais le souci c'est que l'adversaire, bon bah voilà, hein, il avait quasiment atteint 100 péons. En théorie, c'est censé pouvoir être reproduit, surtout qu'on a encore les coups de bouffe sur l'eau. Pour l'instant, on se fait trêve, donc est-ce qu'on n'a pas un peu trop tardé à venir rendre les coups? Certainement. Est-ce qu'on pouvait les rendre avant? Je pense que oui. Ça n'a pas été fait. Et donc là, on est sur un match barrage bronze du CF. Red Arc qui est le site 1 entre les deux joueurs. Mignon qui s'en sort très très bien. Pour l'instant il est à 2-1 et il est en passe de remporter cette manche décisive. Faut dire que Red Arc n'aura pas été aidé au début vu la woodlane dégueulasse qu'il avait. Du coup il s'est retrouvé très loin de la chasse. Il n'a pas économisé le bois sur... du camp de bûcheron, donc il était plus light sur les poissons. Ah oui, versus Nico, je l'avais casté un peu au précédent CF.
Ah. Ok. Le raid. Mignon est au courant de là où Red Art se trouve. Allez, là il reste plus qu'à spammer Mignon. Alors, piquer cavalier quand on a 8 KTS, c'est pas la priorité. Surtout quand il y a du chameau en face. Alors, là il se croit pas que mer, c'est surtout que dans le rush il a posé les fermes rapidement. Ça se voit à la disposition. Tout à l'heure, clairement, quand il posait 3 fermes là et 4 fermes là-bas, sans moulin, oui, je pensais que mer. Les jours. Là, c'est une disposition qui est à peu près cohérente et qui a juste été faite dans le rush. Encore une fois, moi je pardonne pas les placements de camps de mineurs et autres quand ils sont faits en début de BO, parce qu'on a le temps de penser à comment les faire bien. Donc c'est pareil pour les fermes. Quand c'est dans le rush, quand c'est dans l'action, qu'il y a de l'activité en haut, en bas, on pose ça vite, parce qu'on veut vite retourner voir ce qui se passe ailleurs. C'est normal, il n'y a pas de problème. Un peu moins rentable qu'une ferme bien posée, mais au moins, le péon, il travaille. Là, faudrait prendre le marché avant de prendre le monastère. Cette banque indécente encore une fois pour Mignon. Faut produire Mignon, pas que du halbardier, t'as des bâtiments de prod autres, tu produis dessus. On se dirige très clairement sur une fin de caste là. Il aurait pu y avoir une game de plus, mais tu me diras si Mignon il fait pas de péon et que il reste maisonné comme ça. Taper la porte alors qu'il a juste à passer par ici. Ouais, effectivement, Ryu très passif la game. Après, à la décharge de Red Arc, il était tellement en retard du début à la fin, il a pas vraiment pu être très agressif. Il y a eu des timings où il pouvait, bien sûr, puisque son adversaire était excessivement passif. Et on l'avait vu dans les premières games qu'il pushait très lentement. Mais c'était compliqué pour lui d'être plus agressif sur celle-ci. Encore une fois, hein. Plutôt que de faire le tour, il prend le temps de détruire les deux bâtiments qu'il y a là, dont la porte. Et ensuite, il s'endort un peu, il laisse les trucs taper les moulins, il attend. Ça sert à rien de faire des shift clics pour avancer plus vite. Autant attendre. L'annihilation est un plat qui se mange. Il décide d'attendre plutôt que d'aller voir ce qui se fait un peu en bas. C'est qu'il y a du château et du TC, mais autant tout bas qu'ici et ne pas aller scouter. T'as l'avantage comme ça, Mignon, il faut pas hésiter à faire une petite unité, aller voir un peu ce qui se passe chez l'adversaire. Ça, tu sais si tu peux push ou pas, tu sais dans combien de temps il faut y aller avec une petite unité. On est au 200 de pop pour Mignon.
push ou tu prends des écuries, j'ai du mal, hein. Vraiment, c'est encore une fois, hein. C'est trop lent. Si tu veux push, tu attaques les bâtiments principaux, les châteaux, et c'est des trucs que l'adversaire a vraiment envie de défendre. Ça lui permet de temporiser sur le fait de se faire rouler dessus, et potentiellement de revenir, s'il arrive à temporiser comme il faut. Belle petite micro là. Là on avance les trébuchets tout seul, ça c'est dangereux. Mauvais réflexe, le siège, jamais tout seul. Et les piquets ils font quoi là? Ils font une sieste? Ils sont tous de dos à la bataille. Déjà que le push était lent, si en plus on se fait sniper les trèbles en les envoyant solo. Petit, on se refait hein, côté Red Arc une nouvelle fois. On clique paladin, on fait pas plus d'armée, on clique paladin pour 10 cavaliers. Mauvais réflexe encore une fois mignon. Les up militaires on les fait quand on a une masse, sinon ça sert à rien de les faire. Voilà, avec 30 KTS tu retournes l'écho de l'adversaire. Hein. Rajoute tes albardiers derrière, c'est pas grave s'ils passent sous deux châteaux un instant le temps de rejoindre les paladins. Pas les paladins, les cavaliers. 10 paladins, bon bah ils vont pas faire grand chose. Hein. Les albardiers qui sont encore une fois hors de position. Cet arc qui trade plutôt bien malgré un sous-nombre très largement à son désavantage. Pas suffisant face à 100 pop d'armée, même si c'est bien descendu. Le GG finit par être call par Red Arc. Voilà,
spam, effectivement, Ryu. Fallait spam, pas faire du paladin. Et là, le problème, c'est qu'il gagne. Il va être persuadé que certains de ses choix, dont celui-là, étaient pertinents. Alors que non, c'est pas ça qui lui apporte la victoire. Là, GG aux deux joueurs, GG à Mignon. Il remporte son match de playoff avec la manière, même si cette dernière était particulièrement lente au niveau du push et des masses d'armées qui n'étaient pas utilisées. On sait que c'est une map plutôt late game, mais bon, quand on fait de l'armée, autant l'utiliser. Ça n'a rien de rester à la maison avec. Aurait foncé dans l'écho avec sa cave et c'était GG depuis 20 minutes, je suis totalement d'accord. Il avait foncé avec sa cave et qu'il avait continué à produire tout en mettant un point de ralliement sur le front, plutôt que de laisser son point de ralliement à la maison. Ça, c'est des petits détails qu'il faut vraiment penser à changer et à prendre le réflexe. Et sinon, c'est bah, ça ralentit les parties, ça se voit. Ça se voit qu'il pouvait la finir avant et qu'il n'a pas ses réflexes là. Alors, qui gagne le BOS? C'est mignon. Ouais, dommage pour le bon Red Arc. GG au bon mignon. Il y aura toujours un déçu et un heureux. Et cette fois-ci, ce sera mignon. On va laisser rappeler les numéros de poule. Allonge. Si le challenge est bien chargé, bien sûr. Un petit peu. Donc Red Arc qui était troisième des bronzes H et qui a affronté Mignon, le deuxième des bronzes J. Mignon qui avait donc perdu 3-0 contre Snake. Snake que je casterai demain. Demain soir. Est-ce qu'on voudrait pas voir un petit show match entre temps entre Red Arc et Snake? Moi oui, hein, bien sûr. L'octogone, là. Le match Rayu Red Arc. Ah oui, bah oui, carrément, encore mieux. Le mec est pas là, ouais, malheureusement, il est pas encore là. Il arrive plus tard que ça à l'ordinateur. Et ouais, effectivement, un petit peu frustrant. Après, tu as eu un match-up sur la map d'eau. C'était, bah, je l'ai annoncé en début, tu le verras peut-être sur le replay si tu le regardes, que c'était limite du Sieve Win, au moins dans nos tranches de Hello. Donc bah, forcément, tu l'as perdu, malgré que tu as réussi à avoir une plutôt bonne micro à un moment donné sur l'eau, où tu reviens bien, mais malheureusement, bah, ça te fait trop délaisser ton écho, et pas lui. Derrière, tu as bien géré ta map Malais contre Malien. Très bien fait. La première, c'était laquelle? C'était la Sand Forest. Vous aviez quoi comme si dessus déjà? Ah oui, il y avait Teuton. Ah ouais, la transit ferme. T'as tellement tardé pour faire ta transit ferme avec Teuton en Red Arc. T'étais tellement devant, sinon tu cliquais tellement avant si tu faisais ta transit ferme dans les temps où tu récoltais le bois, en fait, tout simplement. Et sur la dernière, là, tu as eu une génération de maps. Elle était, mais infâme. Elle est aussi dégueulasse pour ton adversaire. Mais lui, il s'est directement mis un peu plus loin, comme ça se fait sur. J'ai remarqué sur des games récemment que j'ai regardé où beaucoup de gens ne scoutent plus directement en haut de la marche, mais un peu plus en avant de la première marche. Comme ça, ils sont sûrs, en fait, de ne pas avoir de forêt dégueulasse. Ils avaient fait mettre leur TC beaucoup trop loin et donc prendre beaucoup de retard. Et là-dessus, tu perds la game. Très clairement, tu as pris un retard, mais ahurissant.
la pose du TC qui était plus lente, donc moins de péons, l'obligation de faire un camp de bûcheron, donc qui perd du bois, le fait que du coup, bah, tu peux aussi tes bateaux de pêche plus tardivement. Oui, je sais, ton adversaire aussi, mais lui, il l'a fait un peu plus en avant, du coup, par rapport à toi. Un peu plus vers le mid-map. Tout était aussi très loin des éléphants, enfin bref. Le placement à cause de la génération de map, il était. Bah, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en début de casse, je m'en souviens là. J'aurais demandé un re. Instant, tu vois une génération comme ça, tu dis re. Enfin bref. GG à vous. On va partir sur un petit raid. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à Cassiope pour le raid. Merci aux subs de Poupou, les nombreux subs de Poupou, celui de Nail. Ouais, pour le prochain CF, ouais, il faut vraiment pas oublier, quel que soit le tournoi, tu as quasiment toujours le droit à un re. Regardez au bout de combien de minutes. Et dès que tu vois que tu as une génération qui est vraiment dégueulasse, puisqu'il est très rare que tu utilises un re. Donc si tu te rends vraiment compte que ta génération de map est dégueulasse en début de partie, tu mets pause, tu regardes le timer et tu dis re. Et yo Neoz, tu arrives sur la fin. Pas s'il est encore en live le bon sommelier, Jackie Nobody TV. Si oui. Que je le vois, mais j'ai une pub forcément. Il va lui lancer un petit raid. Ouais, il est toujours en live. Alors, tu disais qu'il avait la même chose, mais il faut savoir que moi, toutes les maps où je l'ai vu être dégueulasse en génération, il y a toujours un joueur qui est très désavantagé par rapport à l'autre. C'est la première fois où je vois que les deux joueurs ont une map très dégueulasse au niveau des positionnements de bois. Et du coup, on va l'envoyer du soutien au bon sommelier. Encore merci à tout le monde. GG. Et à la prochaine. Bien sûr, à rejoindre le raid.